بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إبن كنا إيمان إنا إن vrai taqwa pour Allah et n'a pas mot excepté comme ban musulman. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إبن جمون إنا تقوى بزوت رب celui qui fin créer depuis un seul nafs. وخلق منها زوجها et depuis sa nafs là il fin créer son épouse. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء et depuis les deux il fin créer beaucoup messieurs beaucoup madame. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ celui qui je te servis selon de ma demande et ma transaction entre eux et préserve relation familiale. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا certainement Allah Ta'ala peut observer eux bien. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِمَنْ كِنَا إِمَانْ إنا تقوى بالله إجيا من بارول كي جست يصلح لكم أعمالكم الله تعالى بأميليو زد بان أكشن ويغفر لكم ذنوبكم إلي ببادن زد بان بشي ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما celui qui obéit à Allah et son messager alors certainement lui fin fait une grande réussite. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله certainement parole qui plie vraie. C'est le livre d'Allah, le Coran. Wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Meilleure guidance et guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharra al-umur muhdathatuha. Ban quelque chose qui plie pire, qui plie mauvais, c'est ban nouveauté dans din. Wa kulla muhdathatin bid'a. Tout ban nouveauté dans din c'est ban innovation. Wa kulla bid'atin dalala. Tout ban innovation c'est l'égarement. Wa kulla dalalatin finnar. Tout l'égarement li amène vers du fait l'enfer. Frère en islam, c'est en islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum لعلكم تتقون. إبن كنا إيمان الله سبحانه وتعالى فين بريسكريا روزا لوزد إن في روزا فين فراز pareil comme elle était fait روزا فين فراز لو بان كي avant زد بان peuple qui existait avant le prophète محمد صلى الله عليه وسلم لعلكم تتقون afin que je développe ta croix dans eux. Résultat, quand un dimoun garde rosa,
l'effet qui ça rose là misa ena l'eau ça dit moun là dit moun là misa senti qui se ta croix sur la frayeur pour Allah fin augmenter qui veut dire ta croix réellement en réalité ta croix c'est une protection. Une protection qui a une servité à prendre contre Allah Ta'ala sa punition. Et sa protection-là, il manifesté dans les cas d'un dimoun par sa sentiment qui dimoun là est là, sa conscience qui dimoun là est là, qui Allah Ta'ala peut observer dans toute situation qu'il y était dans cela vie. Donc quand nous pouvons garder rosa, quand nous pouvons sans manger boire, quand nous pouvons priver nous-mêmes de une relation sexuelle avec nous madame, quand nous pouvons faire plus d'efforts pour éviter haram et pour faire ibadat Allah, résultat direct qui ces efforts là bizarrement est dans nous. Nous commençons à prendre conscience, peu importe que ça nous était, qu'Allah Ta'ala peut observer nous. Frère en Islam, c'est en Islam, si comme si dirait, après une vingtaine de rosas qui nous finissent garder, avec quelques jours qui restaient depuis le mois de Ramadan, nous faisons une évaluation avec nous-mêmes. Et si, comme si dirait, nous trouver qui, en réalité, ta croix là, pas ne prend place comme un misère dans nous les quais, hein. Nous trouver qui, nous pas arriver senti, qui Allah Ta'ala peut observer nous. Nous trouver qui, man bon action encore lourd, l'ONU pour nous pratiquer. Nous encore trouvons les loups pour venir faire namaz en jamaat pour malmissier. Nous trouvons les loups pour prendre le Coran pour lire. Nous trouvons les loups pour faire zikrullah. Nous trouvons les loups pour donner sadaqa. Alors, connaît qui Saman Rosa qui nous fait garder là. Pan ena l'effet qui est bizarre ena, qui est supposé ena, l'eau nous le kia. Possiblement, il y a un manquement. Il y a un erreur qui nous fait faire. Possiblement, il y a un manquement au niveau ikhlas, sincérité. Il y a un manquement au niveau l'amour qui nous besoin pour Allah subhanahu wa ta'ala quand nous pouvons faire cette ibadat là. Parce qu'il y a un monde qui a iman. Un de man si. Qui montrait qu'ils sont ibadat sur une action qu'il finit faire, il est accepté auprès d'Allah. Dis-moi là, premièrement, il besoin de faire sa ibadat là et il peut ressentir avant de faire, pendant qu'il fait, même après qu'il fait ibadat là, l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, il y a l'espoir. Il y a l'espoir qu'Allah ta'ala il accepte son ibadat. Troisièmement, il y a un frayeur. Un frayeur, attention, il y a un petit manquement dans l'ibadat, là, Allah n'a pas accepté. Résultat, il y a là, quand il dit, il fait un ibadat avec l'amour, l'espoir et la frayeur. Après l'ibadat, là, il sentit une nécessité qui dit, bizin, dit, man Allah, oh Allah, mon God Rosa, pour faire toi plaisir. Accepter sa rose là de pour moi. Ou Allah, accepter ces faux qui me font faire, accepter si tu as sati la votre Coran, accepter sa namaz tarawi là, accepter sa sadaqa là. Il ressentit dans lui-même une nécessité pour diman avec Allah, pour qu'Allah t'a accepté ces faux qui lui font faire. Il ressentit dans lui-même une nécessité pour diman avec Allah, pour guider lui. Pour lui faire une ibadat là avec plus d'ikhlas, sincérité, avec plus d'amour, et qu'Allah Ta'ala mette l'espoir dans ce lequel, l'eau Allah même.
Frère en islam, j'ai en islam. Semaine dernière, jour de Ramadan, ou plutôt semaine dernière, la nuit qui restait devant nous là, c'est ma meilleure la nuit qu'un démon capable de vivre dans ce la vie. Et comment nous visons, prépare-nous moralement, quel état d'esprit qui nous visons pour accueillir semaine la nuit là? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: فإذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مؤدع. Quand tu débutes pour faire namaz, fais comme si dirais ça même dernier namaz qui te peut faire. Qui veut dire ça? Un des manes stratégiques qui Satan servit pour empêcher un serviteur de faire une bonne action. Satan met dans l'esprit sa serviteur là qui plutôt inshallah te faire lui plus bien. Par exemple, Satan capable de mettre dans l'esprit certaines manes serviteurs, tu connais ça Ramadan, tu pas lire Coran comme avisant. Tarawih tu ne plonge nazou tu pas faire même tarawih. Sadaqa tu la mets un peu lourd, tu pas donne comme avisant. Mais le Ramzan inchallah, depuis premier rose même, tu manges lui. Ça l'a l'air fini. Il finit fané dans le commencement. Mais laissez aller. Le Ramzan, mais seulement, avant Ramzan même, tu finis commencer une préparation. Dans Ramzan, des premiers jours, tu manges lui. C'est une stratégie Satan, ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui qui nous finance à nous, quand nous pouvons faire une ibadet, fais comme si dirait sa même dernière fois, nous pouvons faire une ibadet là, après ça, la mort peut venir joindre nous. Par exemple, namaz. Fait comment dire, nous avons une confirmation qui est namaz, Jumra qui nous vous fait là, des rakat là. Sa même dernier namaz, après ça, malakoul mort peut venir, nous peut quitter sa dunya là, nous peut aller. Mais fait une vision, qui qualité namaz, Jumra nous pouvons faire là. Comment est-ce qu'il nous prend la humilité, concentration, khushur dans sa namaz là? Comme ça même, et d'ailleurs, les musulmans, un musulman n'a aucune certitude quand est-ce que l'amour peut venir joindre lui. Il n'a aucune certitude quand l'amour peut venir joindre lui. Donc un musulman, à tout moment, les misères font comme s'il dirait ça même ce dernier moment, l'on la terre. Plus pour sa main dernière la nuit qui restait devant nous là, frère en islam, c'est en islam, mettez-lui dans nous l'esprit sa même dernière la nuit Ramadan qui nous peut vivre. L'autre l'année Ramzan, nous pas pour l'eau la terre. Comme si dirait, ça 5-6 dernières la nuit qui restait devant nous là, nous pas pour revivre encore en la nuit Ramzan. Dernier sens qui nous est là. Dernier sens qui nous est là. Quand nous mettons ça bien dans nous la tête, quand nous adoptons cette attitude là, cette l'état d'esprit là, nous trouvons que chaque minute, chaque seconde qui nous passe dans la nuit là, nous vous faisons des efforts pour servir d'une façon qui vous fait Allah Ta'ala plaisir. Frère en islam, c'est en islam, nous comptons bien que dans une de ces 10 dernières la nuit qui est dans le mois de Ramadan là, il y a une grande nuit qui appelle Laylatul Qadr. Une grande nuit qui appelle Laylatul Qadr. Laylatul Qadr est khayrun min alfi shahr. Une la nuit passée dans l'ibadet, li égal à plus qui 1000 mois qu'un serviteur fait dans l'ibadet. Nous nous fatiguons tant de ça. Tous les années Ramadan, nous allons rater vini, nous écoutons causerie, nous écoutons les sons, nous tendons même ça. Mais au moins, cette fois-là, là, mettez dans nous l'esprit qui, dernière l'occasion qui m'a dans ma vie, pour me réussir, gagner la nuit, qui m'a passé dans l'ibadet, se valer, comme si dirait pendant 83 bananes, mon reste ado Allah depuis grand matin jusqu'à tantôt. 83 bananes, pas de dormir, pas de toilette, pas de reposer,
pas get nanye, ban kit chose, bli haram la, ban kit chose ki permisib, inzis, li a Quran, fè namaz, vikrullah, grand matin jusqu'à ton tour. 24-7, 83 banani. Nous résistons 6 ou bien 5 la nuit pour nous gagner un sens pour au moins une fois dans la vie. Moi, atteindre ça la nuit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait connaître dans le hadith qui est dans le muslim. Il disait il t'a mis souha al rot sa la nuit, laylatul qadla, c'est-à-dire faire des efforts dans l'ibadat, fil ashr al awakhir, dans les dernières 10 nuits de Ramadan. Al-Rodli veut dire, passe saban la nuit là dans l'ibadat avec l'espoir pour gagner la ilatul qadr. Rodli dans les dernières 10 nuits. Fa'in da'oufa ahadukum ou adiz. Si un parmi eux, l'insenti li faible. Ou bien, l'ipan kapar. Fa'la yagliban'na ala sab'il bawaki. Alors, faudrait pas li rate 7 dernières la nuit. Si il n'est pas capable, dans 10 dernières nuits là aussi, au commencement, il est un peu paresse. Ou bien il n'est pas réalise l'importance de la nuit là. Ou bien il est bloqué quelque part, il est malade, etc. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, au moins, sa 7 dernières la nuit là, n'a pas raté. Al-Rod là, il a tout le cadre là-dedans. D'ailleurs, il même lit, Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par Bukhari, il a dakhala al-ashr shadda mi'zaruhu wa ahya laylahu wa iqadha ahlahu. Quand arrive sa 10 dernière nuit là, l'itspe augmente ses efforts. Ce man zefo qu'il fait, li augmente li. Une expression qui nous servit, il serre sa ceinture, avait dit tu veux manger tigit. Dans la nuit là. Dans man lien, quand il a un droit de manger, tu veux manger tigit. L'itipe passe la nuit planète en entier et l'itipe même lève sur ma madame pour je te faire ibadat je te Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et normalement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'itipe compte sur principe pour passer la nuit net dans ibadat. L'itipe dormi, une partie la nuit, l'autre partie la nuit, il est venu faire ibadat. Sauf, dans 10 dernières nuits du mois de Ramadan, quand il passe la nuit là net dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Et meilleur dua qu'il finit enseigne sur madame Aisha radiallahu anha, et par conséquent sur Ummad pour demander dans la nuit de Laylatul Qadr, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ou Allah certainement te pardonne. Tu ne pardonnes pas. Tu aimes la foi, tu comptes pardonner. Fa'fu anni, alors pardonne-moi. Frère en islam, c'est en islam. Paye une personne qui est capable de pardonner nous man péché à part Allah. Personne. Et nous tout comptons très bien. Qui quantité péché nous fait faire pendant qu'il y a la période de temps qui a l'air de permettre nous de vivre sur la terre. Chacun compte ce défaut. Chacun compte quantité et gravité péché qu'il finit arriver commettre. Là, sa doua là, quelques mots seulement, même pas une minute. Un doua qui est à tout un mot, une expression nécessaire. Une expression qui est importante pour faire nous gagner le pardon d'Allah. Il dépend comment est-ce qu'il nous prononce. Il dépend comment est-ce qu'il nous prononce. Si nous faisons d'une façon traditionnelle, pas peut comprendre l'homme n'a qu'à fond de boule, fa-fa-fa-ni. Pas peut comprendre qui peut dire. Peut juste réciter. Normal, nous ne pouvons pas prendre aucun effet, là où nous l'écrire. Mais quand nous ne comprenons mot par mot, Allahumma, oh Allah, inna ka afoun, certainement, tu as pardonné. Un de bonne qualité qui a la ta'ala, inna, li pardonne mon péché. Et dans nous, le cas d'esprit, ça l'est là. Nous connaît qui? Peine à personne qui pardonne péché à part toi, oh Allah. Ou Allah te finance un nous pour demander toi doua pour te ban nom et te ban attribut. Un de te ban attribut c'est Al-Af. Le pardonneur, c'est lui qui compte en pardonner. Ou Allah nous peut demander toi. Pas sa attribut là. Le pardonneur. Pas si ce n'est pardonné. Tu hibbou l'afwa. Te compte en pardonner, oh Allah. Inna l'abda idha atarafa bi dhanbihi. ثم تاب تاب الله عليه.
Quand serviteur lui reconnaît son péché, lui reconnaît qu'il fait erreur. Ensuite, il retourne vers Allah. Allah pardonne. Il reconnaît son péché, il dit Allah pardonne, Allah pardonne. Et parfois, un serviteur lui arrive à commettre un péché. Et quand il dit Allah pardonne avec sincérité, avec regret, il retourne dans son relation avec Allah, il retourne encore plus meilleur, encore plus près avec Allah qu'il y était avant qu'il y commette sa péché là. Quand il dit Allah pardon, parce qu'Allah, tuhibbul afwa, il est content pardonner. Il est content pardonner. Ou Allah, tu as pardonné. Tu es content pardonner. Alors pardonne-moi. Meilleur doua qu'un serviteur demandé quand il peut rôder la nuit de Laylatul Qadr. En plus de ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaban » C'est lui qui djiboutait dans l'ibadat. C'est lui qui djiboutait dans l'ibadat, qu'il y soit dans namaz, ou bien tilawat Qur'an, ou bien dhikrullah, ou bien dua. Pendant la nuit de laylat al-qadr, il djiboutait l'idjiman avec Allah, avec iman. Et l'espoir qu'il y a Allah pour pardonner ce man péché. Rufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah Ta'ala pardonne tout péché qu'il y fait faire dans le passé. Frère l'Islam, frère l'Islam. Nous résiste 5 ou bien 6 jours dans nous la vinette. Dernière occasion qui nous est là. 5 ou bien 6 jours pour gagner la nuit de Laylatul Qadr. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Qui quand tu t'es pardonné, Allah Ta'ala content pardonné. Qui quand tu t'es pitié, Allah Ta'ala content descend ce pitié lorsque man serviteur. Une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba prennent la guerre, je trouve une maman, une perdit ce petit baba. Mais j'ai une vision, une maman, après une la guerre, il peut rôder ce petit baba, il ne peut pas trouver ce petit baba là. Comment est-ce que sa maman là était salée là? Il peut paniquer, il peut pleurer, il vient comment dire une folle, il peut rôder ce petit baba. Les temps Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avec ce man sahaba, je te assisé après la guerre, il y a blessé. Il y a des cadavres, des gens partout. Ça l'est là dans l'esprit, sa maman là, capable de ses enfants, une mort, capable d'une blessée, capable d'une mine cocaïne aller. Les temps maman là peut crier, peut pleurer, il peut rôder ce tibaba, les temps man sahaba, une tante ça, je ne virais, je ne guette madame là. Je trouve ça l'est là, maman là, une gain tibaba là. À cela fait une vision là, maman là, il trouve ce petit baba après en la guerre, il dit pas tu peux trouver, il trouve sain et sauf. Comment maman là peut réagir? Il met un petit baba là, il commence à faire gâter avec lui et il donne un petit baba là pour dealer avec lui. Ça l'est là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les temps, il trouve sa scène là, Ban Sahaba, il trouve sa scène là. Il trouve l'attachement qu'il y a entre sa maman et ses enfants là. Ban Sahaba aussi, il témoigne de l'attachement là. Il dit avec Ban Sahaba, est-ce que je pense que sa maman là, les boucapas, François, ce petit baba, ce petit baba là, dans 10 faits. Man sahaba dit, ya Rasulallah. Bien sûr, il n'y a pas boucapas à faire ça là. Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, certainement, Allah Ta'ala en a beaucoup plus pitié pour ce man serviteur. Qui pitié qui sa maman là en a pour ses enfants. Pareil comme sa maman là, par pitié qu'il y en a pour ses enfants là, par l'amour qu'il y en a pour ses enfants là, il n'est pas pour capable, pour ses enfants là, c'est dans du fait. Comme ça même, Allah Ta'ala, beaucoup plus qu'il s'en court. Il y en a plus pitié pour ce man serviteur. Il y en a plus pitié pour ce man serviteur. Frère en Islam, c'est en Islam. Quand nous peut demander avec Allah, dans sa man dernière nuit de Ramadan là, Allahumma innaka afoun. Oh Allah, tu as pardonné, oh Allah. Il ne faudrait pas lui résister l'eau la langue.
faudrait pas juste la langue qu'il peut prononcer, il faudrait qu'il l'écrit à la même. Avec regret pour nous bannir le péché qui nous fait faire dans le passé. Avec conviction, avec une résolution qui nous pas pour retourner dans sa main de péché là encore. Et avec sincérité. Faudrait qu'il l'écrit à la même. Quand il peut demander, l'équerre là peut dire, oh Allah, tu as pardonné, tu es content de pardonner, oh Allah, alors pardonne-nous. Un autre grand ibadat encore, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Al-Isra, ayat numéro 79, « Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda » Et pendant la nuit, fait tahajjud. Allah lui adresse avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pendant la nuit fait à tahajjud afin qu'Allah ta'ala élève-toi dans un plus grand rang. Afin qu'Allah ta'ala élève-toi dans un plus grand rang, c'est-à-dire sur Qiyama Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour faire shafa'a pour ce umma. Et quelque chose qui ne fait aller dans sa vallée là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah finit de donner sa l'aude là, jamais dans la vie, il n'y a pas fini de quitter namaz tahajjud. Aisha radiallahu anha dit, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yada'uhu, wa kana idha marida au kasal, salla qa'idan. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, jamais il finit de quitter qiyamul layl namaz tahajjud, jamais. Quand il est malade, ou bien quand il est fatigué, il fait lui assisé. Il fait lui assisé. Qiyamul Layl, c'est un nom pour un namaz nafil, ou bien sunna qui commençait après namaz Isha et il terminait, ce lieu est terminé avec namaz Fajr. Avec l'entrée de namaz Fajr. Sa même namaz qui dans Ramadan, quand il fait lui en jamaat, appelle lui Tarawih. Sa même namaz qui appelle le tahajjud, sa même namaz qui appelle qiyamul layl, mais il y a l'air pour faire le dernier tiers la nuit. Quand un serviteur peut débouter en jamaat dans le mois de Ramadan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama ma'al imam, c'est lui qui débouté avec imam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam un jour, il fait le dans le premier lieu tout de suite après namaz Isha. Man qama ma'al imam hatta yansarif. C'est lui qui djibouté avec imam jusqu'à ce qu'imam tourne les dos, allez, dire jamaat fini. Kutiba lahu qiyamul layl. Allah écrit pour lui comme s'il dirait il passe la nuit là, n'est dans ibadat. Namaz tahajjud. C'est une formation pour développer sincérité dans les cœurs du monde. Namaz tahajjud. Différencier entre un serviteur qui rapproche plus avec Allah. Et man serviteur qui est loin de depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il dans l'air que du monde pédomi, un serviteur qui est sincère, l'indibouté sincèrement pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Namaz tahajjud, Imam Ibn Qayyim rahimahullah lui dit, quatre choses qui amènent risque dans un serviteur sur la vie, premier, quand serviteur là fait namaz tahajjud. Deuxième, quand il dit man Allah pardon dans le dernier tiers la nuit. Troisième, quand c'est invité Allah, il donne son accord régulièrement. Et quatrième, quand c'est invité Allah, fait dhikr, man adhkar qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit enseigné dans le commencement de la journée. Un dimoun qui fait namaz tahajjud régulièrement, c'est un dimoun qui se visage plus illuminé. Un dimoun qui plus profitable dans la société. Un dimoun qui n'a plus la santé physique et aussi la santé spirituelle. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li fait connaître. Man qama bi ashri ayatin, c'est lui qui fait namaz tahajjud. Il y a 10 ayats seulement. 10 ayats seulement. Lam yuktab min al-ghafilin, Allah pas pour écrire li par un négligent. Il gagne valeur auprès d'Allah. Même l'indibouté. Dans la masse d'Ajoud, il n'y a pas qu'un Coran, il y a quelques petits surahs seulement, mais il fait lui avec sincérité. Il y a une belle valeur auprès d'Allah. Wa man qama bi mi'ati ayat, kutiba min al-qanitin. Et c'est lui qui dit il y a plus ayat, il y a 100 ayat. Allah écrit lui par un man qui dit dans la nuit.
Ban kornitin, ban kin soumet jout complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui peut plaire plus ayet encore, se va aller augmenter plus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, frère, l'islam, c'est en l'islam. Ça quelques la nuit qui restait devant nous là, nous l'état d'esprit, bizarre qui s'en même ban dernier la nuit de Ramadan, qui nous peut vivre, après ça, nous pas pour revivre Ramadan encore. Mais il y a du'a que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finance à nous. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني والله certainement tu ne pardonnes tu content pardonner allo pardonne parmi man ibadat nafil ki Allah pri content c'est qiyamul layl et qiyamul layl an ibadat ki rasoul sallallahu alayhi wa sallam zame fin kité et qiyamul layl c'est une ibadat qui amène beaucoup bénéfices l'os à dunya là pour un serviteur et surtout dans l'akhirat mais pour nous passe laylatul qadr d'une façon qui nous pas plein, nous pas fatigué, et nous voyons yéter ban ibadat qui un serviteur capable faire. Qiyamul layl en parmi là-dedans. Doua, demande Allah doua en parmi là-dedans. Zikrullah, zikrullah un serviteur il fait qiyamul layl, il demande doua, il est bien fatigué, il assise. Subhanallah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Zikrullah, tilawat Qur'an, lecture Qur'an. C'est une façon qui nous besoin diversifier nos ibadat afin qu'il ne pas plein, ne pas fatigué dans sa man dernier la nuit qui restait dans le mois de Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Oh Allah, donne-nous bon quelque chose en dunya, bon quelque chose en akhirat. Et protège-nous qu'on dit fait l'enfer. Oh Allah, écris-nous. Écris-nous nos parmi man serviteur qui fin bénéficier avec le mois de Ramadan. Oh Allah, guide-nous pour passer sa man dernier la nuit là dans tout plaisir, dans toute satisfaction. Et créez-nous nos parmi les serviteurs qui finissent gagner laylatul qadr. Ou Allah, créez-nous nos parmi les serviteurs qui finissent libérés des bidifs l'enfer. Et créez-nous nos parmi les serviteurs qui finissent gagner jannatul firdaus dans sa mois de Ramadan. Et guide-nous, oh Allah. Guide-nous, oh Allah, pour après Ramadan, nous préserve cette taqwa qui tout finit permettre nous pour acquérir pendant sa mois de Ramadan. Guide-nous, oh Allah, pour protéger nous-mêmes contre n'importe qui chose, contre n'importe qui man doute, n'importe qui man shahawat. Qui est capable d'attaquer cette taqwa-là, garder cette taqwa-là et garder la qualité rosa. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.